C'est justement ici que je me suis intéressé pour la première fois à la contrefaçon, et très vite, je me suis amusé à essayer de démêler le vrai du faux. Leather. Hermès. Hermès, modèle Hermès, leather. Is it original? Original, original, not imitation. Extra qualité. Original 2500 euros. Mm-hmm. Original, good imitation, marque modèle Hermès. Okay. Yes. Imitation Hermès. Yes. Imitation Hermès. Pour mieux comprendre tout ça, un petit point sur le sujet s'impose pour savoir où on en est aujourd'hui, en 2017. Selon l'INSEE, la contrefaçon se définit comme la reproduction, l'imitation ou l'utilisation d'une marque, d'un brevet ou d'un droit d'auteur sans l'autorisation de son titulaire, et en affirmant ou en laissant présumer que la copie est authentique. Traditionnellement, c'était les produits de luxe qui étaient contrefaits, car s'offrir un produit de grande marque pour trois fois moins cher, forcément, ça donne envie. Mais ça touche aujourd'hui quasiment tous les domaines de consommation. Sauf qu'en plus d'être du vol de propriété intellectuelle, ces produits sont fabriqués sans aucun contrôle de qualité. Bon, vous allez me dire qu'en soi, c'est pas un problème de porter des chaussures Mike, des tongs Kiné, une casquette Pimp et un survêtement Adidas tout en mangeant des S&M's. Mais ça devient plus délicat quand vous commencez à vous raser avec des rasoirs big ou que vous lancez une partie sur votre Polystation et votre PCP. Et ça devient carrément dangereux quand vous vous mettez à boire de fausses marques d'alcool, que vous portez des lunettes de soleil soi-disant protectrices, ou que vous prenez des médicaments contrefaits. Car oui, la contrefaçon tue. On estime qu'1% des médicaments qui circulent dans les pays développés sont issus de la contrefaçon. 7 à 10% des médicaments le sont dans les pays émergents, tandis que dans les pays en développement, cela peut atteindre entre 30 et 40%. Ce qui est intéressant et triste à la fois, c'est de voir que les médicaments contrefaits dans ces pays-là sont des médicaments vitaux, tels que les antibiotiques, les traitements contre le paludisme, la tuberculose ou encore le sida. Alors que dans les pays développés, les médicaments issus de la contrefaçon sont principalement des amaigrissants ainsi que de fameuses pilules magiques pour soigner les troubles de l'érection. Les médicaments contrefaits sont majoritairement consommés en Afrique, provoquant 800 000 décès chaque année. C'est colossal, ça représente bien plus de morts que le triste conflit actuel en Syrie. De vastes campagnes de prévention ont été lancées sur le continent, notamment une de la fondation Chirac avec le slogan « Le médicament de la rue tue ». Le sujet de la mort liée à la prise de médicaments de contrefaçon a été médiatisé récemment avec le décès par overdose du chanteur Prince, dont l'importante pharmacie personnelle recelait quelques faux médicaments, ce qui a fait planer un doute sur la nature de son décès. Mais alors, qui fabrique ces faux produits? Les médicaments contrefaits proviennent majoritairement de Chine, mais aussi de l'Inde et de la Russie en moindre mesure. Pour les autres marchandises issues de la contrefaçon qui ont été interceptées sur le marché européen en 2015, 80% ont été fabriqués en Chine, 8% aux Émirats Arabes Unis, 2% en Turquie et à Hong Kong, et 1,6% en Inde. Mais qui plus précisément fabrique ces produits dans ces pays-là? Il peut s'agir d'usines qui ont une double activité, il peut s'agir aussi de particuliers qui fabriquent ça dans des laboratoires clandestins, mais ça peut aussi aller plus loin. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode que j'ai réalisé sur les trafics de drogue, où l'on détaille les activités illégales des organisations du crime organisé. Cette activité les intéresse car les profits sont élevés et les risques judiciaires sont plutôt faibles. Quand un trafiquant passe au tribunal parce qu'il a fabriqué en masse des Polystation, il prend bien moins cher que son pote qui a ramené lui de l'héroïne d'Afghanistan. On peut citer la Camorra italienne, les triades chinoises et les mafias japonaises qui procèdent bien souvent à une contrefaçon industrielle, bien loin de l'image que l'on a de la contrefaçon artisanale réalisée dans l'arrière-boutique. Pour conclure, il est important de rappeler que nous pouvons être victimes de cette contrefaçon en achetant sans savoir qu'il s'agit de faux produits, mais nous pouvons aussi être complices de celle-ci en achetant sciemment des produits que l'on sait contrefaits. Dans ce cas, attention à votre passage en douane car vous pouvez être sûr que l'amende que vous allez recevoir, elle sera pas fausse.